L'avantage, c'est que ce sera Afi. En fait, Afi, là, je vous explique. Il est derrière, donc il a moins de pression. Il voit que Muda est devant. A l'inverse, Muda, il sait très bien qu'il lui faut son statut de finaliste. Donc, le dernier jump, il va être un poil moins bien calibré. Il va probablement toucher à droite. Et ça va laisser la place à Afi directement, quoi. Après, bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Afi qui se retrouve avec un excellent atterrissage. Et notre premier gagnant de ce match...